C'est pour cela que ça arrive des fois. Vous rêvez un membre de votre famille qui est mort et qui revient très souvent. Ou très souvent vous le voyez attaché quelque part. Il est en train de travailler quelque part. Il est un domestique quelque part. Un garçon ou une femme de ménage quelque part. Ou il est où elle est en train de pleurer et de vous faire des signes. Simplement parce que cette personne a été tuée avant le temps. Les gens doivent mourir selon la volonté de Dieu. Et il y a des gens qui tuent les gens. Des sorciers qui tuent les gens. Avant les temps, pour exploiter leurs âmes, afin de donner le succès aux musiciens, à tous ceux qui font les arts, je veux dire les artistes, les joueurs, le sportif. C'est ainsi que vous voyez, et nous le savons même. Dans ce pays, il y a des orchestres qui ont fait 10 ans de succès. 15 ans de succès. C'est le seul orchestre qui faisait le succès. Et si je veux vous rappeler, puisque nous connaissons tous l'actualité de ce pays, vous remarquerez que ces musiciens ont perdu leurs amis, leurs membres, les gens qui soutiennent leurs orchestres. On apprend qu'un mélomane est mort. Lors d'une répétition, quelqu'un est mort. Un ami à ce musicien est mort. C'est le sacrifice qu'on fait pour que cette personne aille travailler pour l'orchestre. Donc, la preuve biblique est là dans Ézéchiel 13. Tous ne meurent pas avant le temps. Ce que j'ai compris, et je ne fais pas cela une doctrine, les gens que l'ennemi tue avant le temps, il le retient. Ils retiennent leurs âmes, les années de leur vie, pour qu'ils deviennent des serviteurs et des esclaves pour ceux qui veulent consulter l'ennemi. Quelqu'un me dit amen bien. Donc ce que vous devez comprendre, ne croyez pas que les gens qui meurent, tous ceux qui meurent dans leur temps. Et ce qu'il est en train de nous le dire, ce qui ne devait pas mourir, c'est ce qui meurt. Et les gens qui ne devaient pas vivre, on le fait vivre. Ici, nous sommes d'abord dans l'échange. Je parlerai aujourd'hui de l'échange des âmes. Et je parlerai demain de vente des âmes.
Thank you.